Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et bienvenue dans Réussite d'entreprise pour le dernier numéro de cette année. Nous terminons en 2016 avec un chef d'entreprise qui n'a que 33 ans, dont déjà près de 15 ans comme entrepreneur. Autodidacte, il a redoublé son CAP de plomberie, puis vite travaillé dans l'immobilier avant d'ouvrir sa première agence à 19 ans et de transformer son entreprise en un spécialiste du logement social au développement impressionnant. Hervé Legros, PDG fondateur d'Alila, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bien sûr, nous avons envie de mieux comprendre ce parcours qui suscite à la fois curiosité, admiration et parfois, on peut le dire, interrogation. Vous nous préciserez votre positionnement d'acteur privé dans un monde du logement social dominé par les intervenants publics. Nous évoquerons vos projets, on sait que vous n'en manquez pas. Nous parlerons aussi de sport, votre partenariat avec l'OL et puis votre entrée à titre personnel au capital de l'ASVEL. Pour nos téléspectateurs, vos réactions avec le hashtag Réussite d'entreprise. Mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Alors Hervé Legros, vous êtes né dans le 7e arrondissement avec un père conducteur de travaux, ce qui fait que vous connaissez, j'ai envie de dire, très vite l'univers des chantiers. L'école, ce n'est pas votre affaire. En situation d'échec scolaire, vous tentez un CAP de plomberie, mais ça aurait pu être autre chose finalement. C'était un peu difficile, dans le sens où c'est vrai que vous savez, on prend souvent généralement les métiers un peu de ses parents. Et vu que j'avais un père entrepreneur et vu que j'ai travaillé aussi depuis mon plus jeune âge sur les chantiers, donc il était un peu naturel que je m'oriente dans le bâtiment, mais qui était pour moi pas aujourd'hui une contrainte, mais qui était plutôt une vocation, car c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le métier que je réalise en tant que promoteur immobilier, c'est quand même aujourd'hui du bâtiment. Donc voilà, c'était... comme quoi le destin fait bien les choses. On ne faut pas dire ça comme ça. Vous savez, j'avais, lors de mon entrée au collège de 6e, quand j'ai fait on m'a demandé ce que je voulais être plus tard, j'ai dit que je voulais être trader. Donc, trader, si vous voulez, était un mot que déjà les professeurs ne connaissaient peu. Et puis, c'était aussi pas un métier un peu atypique par rapport à un jeune de 12 ans. Je crois qu'on on s'est pas compris avec l'école. Je pense que l'école est dans un système où il faut rentrer dans un moule. Et malheureusement, j'étais en dehors. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis sorti assez rapidement de l'école, mais ce n'est bien évidemment que du positif. Très vite, vous allez pousser la porte d'une agence immobilière et vous êtes vendeur. Vous avez quoi, 18 ans ? 18 ans, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je viens de terminer en fait mon diplôme de plombier. Donc, je suis en fait plombier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai pas une fibre très bricoleur. Et c'est vrai que quand on va parler après de ce reportage un peu de des rencontres, et j'ai fait une rencontre qui m'a fait rentrer, si vous voulez, dans le milieu en fait de l'agence immobilière. Je suis rentré en tant qu'agent commercial et 8 mois plus tard, vu que la réussite était au rendez-vous, j'ai créé mon agence et je suis devenu dès l'âge de 19 ans, j'ai été le plus jeune agent immobilier de France. C'est ça. Le goût du commerce, le goût des affaires. Oui, surtout le goût du commerce, mais surtout le goût de l'entreprendre. C'est-à-dire que même en deçà, c'est-à-dire que quand j'ai été au départ, quand j'ai commencé à travailler, à faire des jobs d'été ou même pendant les vacances, j'ai toujours une fibre d'entrepreneur. C'est-à-dire que même pendant mes stages, pendant mon CAP, j'aimais être au contact en fait des entrepreneurs, du patron, d'essayer de comprendre comment il arrivait à manager son équipe, quelle était sa vision d'entreprise. Ça marche vite et bien. Vous allez compter jusqu'à quoi, une quinzaine de vendeurs très vite? Oui, on est même monté à 35 vendeurs. C'est-à-dire que j'avais 3 agences immobilières qui commençait d'Écully jusqu'à l'Arbrel-Tarare. Et voilà, et parallèlement, j'ai créé en fait mon agence et ma société de promotion immobilière. En même temps, donc HPL Promotion, comme Hervé et Pierre Legros. Voilà, c'est ça, qui a été créé en fait en 2003 et qui en fait avait pour but, si vous voulez, de détecter en fait des terrains pour faire de la petite maison groupée avec des petites parcelles de terrain et bien évidemment de les vendre par mon réseau d'agence immobilière. Voilà, alors vous allez passer des maisons groupées au logement social. Ouais. D'où vient cette envie d'entreprendre, de construire
Je pense que ça vient de moi, c'est-à-dire que ça vient d'au fond de moi. Moi, je suis issu d'une famille autrement de commerçants. Voilà, donc j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, cette envie d'entreprendre. Je ne me voyais pas faire autre chose qu'entreprendre, que dans n'importe quel, si vous voulez, métier. Je crois surtout qu'il faut faire ça avec passion. Et je crois que l'entrepreneuriat est un métier magnifique, mais qui est malheureusement très peu, on en parle très peu, enfin, même dans les cours d'école, ou en tout cas dans les cours, ou dans le programme, ce n'est pas quelque chose qui devient naturellement, mais c'est vrai que pour moi, c'était une évidence en fait d'être entrepreneur. C'était une évidence. Est-ce que c'était aussi une forme de revanche par rapport à la période de... Non, j'ai pas de revanche. Vous savez, aujourd'hui, ce que je le suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été comme ça à l'école et c'est parce que mon enfance m'a fait être comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui regarde derrière moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde devant moi et surtout, je suis pas quelqu'un de revanchard. Je pense que tout ce qui arrive dans une vie doit être pris en positif et transformé en fait pour que justement on puisse avancer et pas justement pleurer sur son sort ou se morfondre. Je suis c'est alors, pas du tout dans mon caractère. On va revenir sur l'histoire de Dalila. Pourquoi être promoteur privé spécialisé sur le logement social? J'ai envie de dire un privé au milieu de beaucoup d'acteurs publics, c'est compliqué, non? C'est pas compliqué. Si je reviens en fait à l'origine en fait du pourquoi et du comment, c'est que assez rapidement, quand j'avais mon réseau d'agences immobilières, j'ai toujours été extrêmement attiré, si vous voulez, par le métier de promoteur, qui est pour moi était le métier numéro un de l'immobilier, si vous voulez. D'être promoteur, c'est un métier qui est magnifique. Vous êtes un bâtisseur, vous recréez la ville sur la ville, vous construisez des logements pour des gens. Voilà, c'était quelque chose qui était pour moi très attirant. Sauf que le métier de promoteur classique, si vous voulez, c'est un métier qui était extrêmement dicté par la finance. Et quand vous avez, jeune comme je l'étais, sans beaucoup de moyens et surtout sans parents qui pouvaient éventuellement financer, c'était complètement impossible. Donc j'ai réussi à essayer d'exister en faisant une, deux opérations par an de petites maisons que je vendais par mon réseau d'agences immobilières. Et il fallait après être à l'évidence. C'était un constat qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à créer aujourd'hui un réseau, en tout cas une société de promotion immobilière au milieu de tous ces acteurs régionaux ou nationaux qui avaient des moyens qui étaient bien supérieurs aux miens. Mais j'avais une envie de faire quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, en tout cas ce positionnement différent, s'est fait en fait un peu par hasard dans le logement social où je suis tombé en fait par obligation, par une opération que j'avais détectée dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, où le maire m'a en fait imposé de faire une opération 100% logement social. Et j'ai rencontré en fait l'acteur, un acteur aujourd'hui qui est toujours un de mes clients, où je lui ai vendu en fait en vente en futur d'état d'achèvement. Et j'y ai trouvé plein d'avantages, plein de possibilités et c'est là que vous avez trouvé votre positionnement. Et donc, c'est là où j'ai trouvé le logement social. En fait, c'est donc logement conventionné et intermédiaire. Alors l'intermédiaire est venu bien par la suite, mais le logement social, en fait, il est venu, si vous voulez, en fait, avec un vrai constat qu'aujourd'hui le privé, comme moi, en tout cas comme Alila ou les autres acteurs, ne s'intéressaient pas au logement social. On prenait le logement social comme des contraintes, comme un caillou dans la chaussure. Il faut savoir que le logement social est émergé en fait en 2001 avec Lionel Jospin, avec une loi qui imposait dans chaque nouvelle opération, avec la loi SRU, de faire 20% dans un premier temps de logements sociaux, et maintenant 25% avec le nouveau gouvernement. Donc si vous voulez, en fait, c'était amené comme une contrainte auprès des promoteurs par le monde du logement. Et c'est vrai que, si vous voulez, en 2008, il y a eu la crise où là, si vous voulez, le monde du logement social a beaucoup aidé, en fait, les privés pour leur récupérer leur stock et leur revendre. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de promoteurs spécialisés. Et quand on fait le constat, c'est que les demandes de logements sociaux sont très importantes. Sur Lyon, il faut attendre 4 ans pour avoir un logement social. Sur Paris, c'est 7 ans. Le métier numéro un des bailleurs sociaux, c'est la gestion, c'est gérer leurs locataires, gérer leur parc locatif. Leur métier numéro deux, c'est la gestion et la rénovation de leurs bâtis et leurs immeubles existants. Je prends l'exemple de la Duchère ou en tout cas du parc existant. Et leur métier numéro trois, on leur demande de construire. Et je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs les chiffres en parlent d'eux-mêmes, c'est 55% de VEFA. Vous leur apportez une solution en disant, voilà, déjà nous on peut construire. Voilà, 55% de VEFA qui sont réalisés par le privé aujourd'hui sur les 110 000 logements financés par an. Et il n'y avait pas de promoteur spécialisé. Et j'ai décidé en 2007 de spécialiser l'entreprise pour accompagner au mieux le monde du logement, le monde du logement social, pour leur construire un habitat de qualité à prix maîtrisé. Et c'est vrai que, voilà, de se spécialiser dans ce secteur, c'était d'y comprendre les codes, de respecter aussi les clients, les gens, en tout cas le monde du logement social, et après de comprendre aussi quels étaient leurs besoins
et comment répondre aux besoins de leurs locataires qui attendent aujourd'hui. On va y revenir en détail, on va découvrir quelques chiffres sur ce parcours, cette évolution impressionnante. Donc la création, donc 2003-2004, et vous dites que vous adressez donc à 1,8 million demandeurs de logements sociaux qui sont en attente, près de 2 millions. Oui. Et vous dites toujours le logement, c'est la première pierre du bien vivre ensemble. Et puis on découvre donc 2013, 2014, 2015, 2016, cette formidable explosion du développement d'Alila. C'est vrai qu'au-delà du fait, de vos termes, d'explosion, mais c'est surtout en fait qu'on répond à un vrai besoin. Vous l'avez dit, 1 800 000 demandeurs de logements sociaux en attente. Il y a 110 000 logements qui sont produits par an, donc ça fait entre 17 et 18 ans d'attente, de production en attente. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a besoin, il y avait urgence, il y avait besoin aussi de produire, mais je crois qu'Alila ne construit pas seul, on construit en vrai partenariat avec le monde du logement social. Et je le crois que… C'est ça votre stratégie, donc vous dénichez des terrains bien sûr. Privés, et après, nous les proposons des logements et destinés en fait au monde du logement social. Mais je crois que en fait notre vraie réussite, c'est qu'on rentre pas en concurrence avec le monde du logement social. Le monde du logement social était là bien avant Alila, donc il faut les respecter. Ils savent construire, ils construisent très bien. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on leur dit, voilà, vous avez une production de 100 et avec Alila, vous allez pouvoir faire 150. Et ces 50 logements que vous allez pouvoir faire supplémentaires, ça va être un logement qui va correspondre à des clients. On va faire un partenariat public-privé vertueux en travaillant en collaboration avec le maire, en collaboration avec vous. On va faire des résidences qui correspondent à vos clients, à vos habitants, et on va répondre à vous faire un logement de grande qualité à prix maîtrisé. Là, on découvre par exemple surtout, le parc des Cèdres à Lantilly. Voilà, qui fait partie d'une de nos dernières réalisations qu'on a livrées le mois dernier à l'OPAC du Rhône, qui j'en crois sont extrêmement satisfaits. L'ensemble des locataires sont rentrés là début décembre. Donc il faut savoir une chose. Votre stratégie, c'est qu'avant même que vous commenciez la construction, vous avez déjà vendu le programme aux bailleurs sociaux, aux municipalités ? Bien sûr. Pas municipalités, en fait, à nos institutionnels, parce qu'aujourd'hui, Alila, c'est bien évidemment, on répond au monde du logement social, on répond aussi aux acteurs du logement intermédiaire, mais aussi on répond aux acteurs du monde institutionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Alila ne réalise aucun immeuble en blanc. Nous réalisons, en fait, si vous voulez, et c'est là toute la particularité. Donc vous n'avez jamais de stock à vendre, jamais d'invendu ? On n'a jamais de stock, jamais d'invendu. On fait, en fait, un programme sur mesure. Si vous voulez, aujourd'hui, notre grande force, c'est de répondre en fait à un programme sur mesure pour le compte de gens qui vont après gérer, louer ou vendre en accession sociale. Une notion qui est très importante et sur laquelle vous insistez toujours, c'est la notion de qualité. Mais vous dites que ce n'est pas parce qu'on fait du logement social qu'il faut faire de la basse qualité. Mais non, mais je crois qu'aujourd'hui, on le prouve. Et c'est ça d'ailleurs aujourd'hui, quand vous étiez dans votre introduction, l'interrogation d'Alila, c'est comment aujourd'hui Alila arrive à développer un modèle économique autour d'un secteur où une personne ne croyait. Mais moi, je n'ai rien inventé. Je pense sincèrement que je crois en mes convictions. Je crois qu'aujourd'hui que le métier de promoteur, c'est un métier de constructeur. Donc chez nous, chez Alila, on est des bâtisseurs, on est des constructeurs. On réfléchit, on pense au logement, on sait construire, on sait réfléchir au logement et surtout, on sait maîtriser nos coûts. Voilà. Et ces maîtrises de coûts… C'est ça votre force, c'est-à-dire que vous avez une petite structure, on va dire, Alila, c'est… C'est 44 personnes, au niveau national et 125 personnes… Pas de gros coûts fixes et beaucoup de prestataires, d'intervenants. 140 prestataires au total. Oui, c'est ça, oui, qui travaillent avec nous, oui. Donc ça veut dire que vous arrivez à construire au meilleur prix et vendre à des prix intéressants pour les acheteurs. Après, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une vérité. Nous construisons 20 à 25% moins cher que la promotion classique et nous faisons une qualité supérieure de 20 à 25%. Vous savez, je prends un exemple. J'ai fait une inauguration la semaine dernière à l'Atypique dans le 7e arrondissement de Lyon. Nous avons réalisé 42 logements sociaux. Arrondissement où vous êtes né ? Dans l'arrondissement en plus où je suis né. Vous voyez comme quoi il y a des signes qui ne trompent pas. Mais vous voyez, 42 logements sociaux, si vous voulez, avec du photovoltaïque qui régénère, si vous voulez, de l'électricité pour alimenter en fait les parties communes, les ascenseurs, donc pour baisser la facture énergétique des futurs locataires. RT 2012, moins 20%, si vous voulez. Et on construit à un prix qui, je suis persuadé, que les autres promoteurs n'arrivent pas. Et on n'a rien inventé. Simplement, on est extrêmement rigoureux et extrêmement performant dans la gestion et dans l'organisation. Voilà, vous vous présentez un peu comme le fruit de l'immobilier. On va le découvrir en quelques chiffres aussi, là à présent, et puis votre développement régional. Vous vous comparez par exemple à EasyJet par rapport à Air France ou les low cost par rapport aux grandes compagnies. Vous n'êtes pas un gros mastodonte et c'est ce qui vous permet de,
d'être agile, rapide? Je crois qu'on a énormément de flexibilité, on a beaucoup aussi d'agilité, mais on est surtout, on a une prise de décision qui est rapide. L'ensemble de mes collaborateurs aujourd'hui, ce sont des gens qui prennent des décisions, qui ont un pouvoir de dire oui ou non. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, c'est ce qui nous fait notre grande différence par rapport aux grands groupes qui doivent aujourd'hui faire un strat de décision et des fois revenir en arrière. Si vous voulez, aujourd'hui, moi, j'ai bâti mon entreprise sur la confiance, sur la loyauté et surtout sur quand on s'engage, on va toujours, si vous voulez, au bout de notre engagement. Et je crois qu'aujourd'hui, et si je suis là aujourd'hui à parler entre vous, c'est que la réputation d'Alida est très bonne. Pourquoi elle est très bonne? Car aujourd'hui, on n'a aucun litige client. On n'a aucun litige sur nos résidences. Et surtout, quand on promet de réaliser une résidence de qualité à prix maîtrisé, quand on la livre avec les élus, nos partenaires et nos clients, on prouve et on fait prouver à tout le monde qu'on ne s'est pas trompé et qu'on arrive aujourd'hui à réaliser en tout cas tout ce qu'on est en train de... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous faites des appartements souvent plus grands que la moyenne en règle générale. Je crois qu'on fait surtout des appartements pour des gens. C'est ça toute notre différence avec le monde de la promotion classique. Et pas pour des investisseurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pense à l'utilisateur. Et avec nos clients, et avec le monde HLM, avec les politiques, avec le gouvernement, parce qu'attention, aujourd'hui, Alida, on est lyonnais, mais on est dans toute la France, mais surtout, on est quand même extrêmement écoutés. Alors, on l'a vu, je suis reçu aujourd'hui dans les ministères, je suis reçu par l'ensemble des associations, en tout cas... Les agences dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles. Mais c'est surtout aujourd'hui... On a un message qui est nouveau et j'aime bien prendre l'exemple de Free, qui est d'ailleurs Xavier Niel aujourd'hui que je connais bien. Voilà, on arrive aujourd'hui à faire aujourd'hui quelque chose comme a fait Free, si vous voulez, dans les télécoms. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à faire une grande qualité à prix maîtrisé. Et aujourd'hui, nos réalisations sont aujourd'hui bien évidemment... Vous avez révolutionné un peu le marché, on peut le dire, d'une certaine façon? Je ne l'ai pas révolutionné parce que j'ai pas bien ce mot, mais je pense qu'on a innové. Je pense qu'on a été... on a su se poser les bonnes questions et on a su, si vous voulez, apporter des réponses à des questions qui étaient en attente. Et pourquoi aujourd'hui, le privé ne s'est jamais intéressé à accompagner le monde du logement social et du logement intermédiaire? C'est ça, en fait, la vraie question. Et moi, je l'ai pris plutôt comme un avantage et pas comme un inconvénient. Et je crois qu'on a réussi aujourd'hui, avec mes équipes, à justement... répondre à ses besoins. Une date charnière quand même dans le développement du groupe, c'est 2012, l'arrivée de Jean-Claude Michel à votre tour de table, l'ex-président du directoire d'Entresangles, et vous allez procéder à cette date-là, une levée de fonds importante aussi. Voilà, mais je crois que si vous voulez, je suis un autodidacte et fier de l'être, et un autodidacte a un avantage, c'est qu'il sait écouter et il sait apprendre des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ma force, si vous voulez, c'était de m'entourer des meilleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'arrivée de Jean-Claude Michel, qui était quelqu'un qui n'était pas du tout issu de l'immobilier, d'ailleurs, ce n'est pas ce que je cherchais, parce que mon métier, l'immobilier, je connaissais par cœur, mais c'était quelqu'un qui, d'ailleurs, et on l'a vu avec les performances de chez Norbert Entresangles, était un bâtisseur, était une personne novateur, quelqu'un aussi qui savait développer, et bien sûr aussi quelqu'un d'une extrême connaissance, une extrême aussi, vous voulez, aussi... bonne réputation et puis surtout un entrepreneur hors pair, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su bâtir un groupe et développer un groupe. Et quand je lui ai demandé de rentrer dans mon capital, c'était dire voilà Jean-Claude, où je souhaite qu'Alida aille et j'ai besoin aujourd'hui de quelqu'un pour vous, comme vous, pour pouvoir m'accompagner et pas aujourd'hui se tromper dans le développement. On l'a vu sur les chiffres, hein, 2013-2016, cette véritable explosion. Est-ce que parfois ça vous fait peur de croître si vite Jamais. Et justement, la réussite chez Alida, c'est qu'on maîtrise notre croissance. Et alors, c'est peut-être pas perçu comme ça de l'extérieur, mais on est une entreprise extrêmement rigoureuse. Vous savez, Jean-Claude Michel a géré un groupe coté. Nous faisons des arrêtés de compte au trimestre. Sociaux, conso. Là, nous allons arrêter nos comptes le 31 décembre. À fin janvier, nos comptes sociaux et conso sont sortis. Nous faisons notre conseil de surveillance le 14 février et nous allons donner nos comptes financiers à nos banquiers. Je veux dire, on a une rigueur financière et d'organisation comme un groupe d'un 440. Si vous avez trouvé la solution, pourquoi est-ce que votre modèle n'est pas plus dupliqué, repris, copié? Mais alors ça serait plutôt une question à poser à mes concurrents, parce que je pense qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Voilà, et qu'ils voient aujourd'hui
Ils voient comme mon modèle, comme un modèle qui n'est pas possible, comme aujourd'hui une réussite qui ne durera pas. Et je pense qu'ils font fausse route et que je n'ai que 33 ans, mais je peux vous redonner rendez-vous dans 30 ou 35 ans, ou même 40 ans. Et mon groupe sera aujourd'hui un très, très grand groupe Cette croissance très, très rapide puisse susciter parfois des interrogations, des doutes? Alors, si je peux répondre, elle n'est pas rapide. C'est simplement aujourd'hui le fruit, si vous voulez, des chiffres que j'ai posés en 2010-2011 et que j'ai affinés et que j'affine après tout au long de l'année. Comme je vous l'ai dit, on affine nos chiffres tous les trimestres. Donc, on a une perspective et surtout, on a une vision de notre entreprise qui est incroyable. Même aujourd'hui, Jean-Claude Michel, qui a géré un groupe comme le transport, aujourd'hui, Alila a une vision à 3 ans. Je veux dire, on a une vision à 5 ans. On sait exactement dans 2 ans, dans 3 ans, au nombre de chiffres d'affaires et de marges et de réussite où on le sera. Les prochaines étapes du développement. Et ça, si vous voulez, il y a peu de groupes qui a aujourd'hui ce niveau de vision et ce niveau de on est aujourd'hui, il y a, voilà, je pense qu'aujourd'hui mes détracteurs devront aujourd'hui plutôt aujourd'hui être fiers et de copier aujourd'hui notre ouverture de nouvelles agences à l'intérieur de vos grandes régions. Oui, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit une chose, vous voyez, on a ouvert Annecy début décembre, mais en fait on s'aperçoit une chose, c'est que Alila est un acteur national avec 2600 logements mis en chantier en 2016, on en prévoit 3500 en 2017, mais surtout, si vous voulez, on s'aperçoit que dans notre grande région, les régions sont grandes, d'ailleurs elles ont été aujourd'hui regroupées, il faut être au plus près aujourd'hui de nos clients et des politiques et des gens qui attendent un logement de qualité. Donc on va créer des agences, comme on a fait avec Lyon-Annecy, on va faire avec Biarritz, avec Bordeaux, Bretagne, Orléans, avec Nantes, et Nancy et Metz avec Strasbourg. Et on va après créer une région dans le nord de la France et 2 régions dans le sud de la France. Très bien. Est-ce que vous pensez que le logement social va être au cœur du débat présidentiel ? Je le souhaite, en tout cas. On a lancé ce manifeste au mois de septembre pendant le congrès HLM pour dire il y a 2 millions de nos concitoyens qui attendent un logement, qui n'en peuvent plus d'attendre. Je crois aujourd'hui qu'Alila, au-delà d'être une entreprise aujourd'hui qui performe, on est surtout une entreprise citoyenne et je le démontre tous les jours par les actions qu'on met en place, par le positionnement qu'on a. Et aussi, je pense qu'Alila est extrêmement écoutée. Vous savez que pendant la primaire de la droite, j'ai envoyé mon manifeste. L'ensemble des candidats m'ont répondu, ont entendu le message. Et j'espère qu'en tout cas, Alila et le logement social arrivera, en tout cas, jouer un rôle aujourd'hui dans le personnel. Est-ce que vous allez vous engager dans la présidentielle ? Je ne m'engagerai pas, je suis apolitique. Je suis surtout pour des gens qui sont audacieux, pour des gens qui ont une vision et surtout pour des gens qui pensent aujourd'hui à répondre aux concitoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, le logement est la première pierre du bien vivre ensemble, c'est notre slogan, mais que je pense qu'aujourd'hui, on peut réduire le chômage si aujourd'hui les gens n'ont pas un logement. Et je crois qu'il y a une émission qui est passée récemment sur des salariés qui dorment dans leur voiture et ça me choque. Et donc, on se doit de construire plus efficacement, tous ensemble, pour répondre à tous ces gens qui attendent un logement de qualité à prix. Allez, Hervé Le Gros, il ne nous reste plus que quelques minutes, on va parler sport à présent, avec 2 actualités importantes de ces derniers mois. Tout d'abord, votre contrat de sponsoring sur 2 ans avec l'Olympique Lyonnais. Vous êtes, entre autres, sponsor maillot. Vous aviez besoin de renforcer votre notoriété ? C'était un besoin, bien sûr. Aujourd'hui, Alila, il faut qu'il existe. Au sorti, Alila, moi, j'ai surtout aussi voulu soutenir un projet entrepreneurial de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est un visionnaire. Voilà, on se retrouve sur beaucoup de valeurs. Et je voulais aussi investir dans ma métropole. Le siège d'Alila est à Lyon, j'en suis très fier, on est une entreprise nationale et je voulais aussi, par intermédiaire du sponsoring, mais par rapport aussi à l'intermédiaire du maillot, par rapport avec mes clients, on invite des enfants, des familles à tous les matchs, on a plein d'actions qui vont être mises en place avec l'Olympique Lyonnais et bien évidemment aujourd'hui, Alila est une très, très belle image au niveau national. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent faire venir des jeunes au stade, c'est une façon de se donner une bonne conscience ? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui de donner et redonner, si vous voulez, du bonheur à des gens qui ne peuvent pas aller au stade. Et vous pensez que c'est normal aujourd'hui que des gens ne peuvent pas aller assister aujourd'hui à un match avec leur famille, un samedi après-midi ou un dimanche ? Je le trouve pas. Et si aujourd'hui, par Alila et avec l'OL, on arrive à faire venir ces familles parce qu'on leur offre aujourd'hui des places, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi notre pari. Le problème, c'est que les places sont peut-être trop chères aussi. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui. Alors, un mot de l'ASVEL aussi. Oui. Là, c'est différent. Vous entrez à titre personnel au capital de l'ASVEL. Et vous en devenez le deuxième actionnaire derrière Tony Parker. Ce qui vous a séduit, c'est l'ensemble du projet
C'est surtout un projet entrepreneurial, c'est surtout un projet de copain. Tony est un copain, Gaëtan Muller est un copain, ils font un travail formidable avec l'ensemble aussi des équipes de l'ASVEL. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance qu'on me propose de pouvoir les accompagner. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même deux grands projets immobiliers qui sont l'Académie et l'Arena. Et je pense que je serai leur homme fort dans l'immobilier. Je serai aussi leur homme fort entrepreneurial. Je suis un entrepreneur. Je pense aujourd'hui que je peux aujourd'hui leur amener aujourd'hui mes connaissances. Mais surtout, c'est un projet qui me tenait énormément à cœur parce que au-delà que ça soit des sportifs, même Tony, ou au-delà du projet, c'est aussi un projet sociétal et un projet qu'on a envie de redonner et en fait aujourd'hui envie d'apprendre avec l'Académie et l'école. Hervé Legros, on passe tout de suite à la question qui dérange pour finir. Bien sûr. Hervé Legros, Lila dégage une belle rentabilité en étant positionné sur le logement social, on l'a vu. Est-ce que ce n'est pas dérangeant d'avoir à la fois une belle rentabilité en étant sur ce créneau du logement social ? Je vois surtout les avantages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, 148 millions de portefeuilles d'activité, de chiffre d'affaires, en 2016, 271 millions en 2016. C'est incroyable. Je veux dire, aujourd'hui... Vous comprenez que ça en choque certains ? Je ne comprends pas. Je crois surtout ce qui doit choquer aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui on n'a pas su ou ils n'ont pas su comprendre aujourd'hui le besoin dans le logement social. Je crois qu'aujourd'hui, on doit plutôt être fier aujourd'hui de la réussite du groupe et surtout de la performance. Je ne crois pas aujourd'hui que le débat il est sur la rentabilité du groupe ou sur le fait qu'on construise plus. Qui aujourd'hui peut me reprocher de construire plus de logements et de bons logements ? Prenez aujourd'hui un locataire qui va prendre aujourd'hui disposition d'un logement, il ne va pas dire est-ce que c'est le privé ou le public qui a construit. Lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un logement de qualité. Hervé Legros, on finit très vite avec trois questions personnelles. Oui. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez ou la valeur à laquelle vous croyez ? C'est la rigueur, le travail et surtout aussi de croire en ses rêves et surtout d'être extrêmement rigoureux et l'écoute. Est-ce que vous avez une devise, Hervé Legros ? Bien sûr, l'échec. L'échec bat les... Je dis souvent que l'échec... bat les perdants et l'échec fait pousser les gagnants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis énormément nourri de mes périodes compliquées et de mes échecs. Voilà. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui a envie de se lancer justement dans la création d'entreprise, comment vous l'avez fait ? Voilà, aujourd'hui, il faut aujourd'hui qu'il puisse croire en ses rêves. Et j'espère aujourd'hui que je puisse être une personne qui puisse aujourd'hui faire que... Ces jeunes ont envie d'entreprendre, mais tous ces gens, aujourd'hui, il y a tout le monde aujourd'hui qui peuvent en tout cas accompagner les business angels, les banquiers, tout le monde. Mais c'est surtout d'avoir un bon projet, et de croire. Merci beaucoup Hervé Legros d'être venu dans Réussite d'entreprise. On était très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Très bonne fin d'année à tous et on se retrouve fin janvier pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital.